Alors, Oh, tu vas te les rester avachi comme ça? c'est comme ça que je suis depuis trop d'épisodes. Ah ouais? Bah oui. Alors, Pierrick. Non, non, alors faut faire mieux que ça. C'est l'épisode de tous les superlatifs. C'est l'épisode, Raph! C'est l'épisode, putain! Faut pas qu'on merde! M46 Parts, c'est la technologie du futur au service du passé. Quand les pièces ne se trouvent plus ou n'existent pas, notre sorcier du Sud-Ouest met en route des imprimantes 3D pour vous sauver la vie. Que ce soit pour les marques introuvables comme Maiko, Portal, Gilera, les machines vintage à la mode ou même des pièces modernes, vous trouverez tout chez M46 Parts. Alors, Pierrick, j'en ai vu des merguez. Des petites, des moyennes, mais j'en avais jamais vu une aussi grosse. Ah là, c'était. Tous les superlatifs me manquent. Le plus. Tu sais, tu te rappelles, c'était la pub de Monsieur Plus, là. Là, c'était même pas Monsieur Plus, c'était. Incroyable. On a doublé la dose, là. 700. On nous demande cette vidéo depuis combien de temps? Depuis la création. Depuis la création de la chaîne. 700 Maiko. Je pense qu'on a dû faire 3 épisodes. Au 3e épisode, on nous disait, n'oubliez pas, essayez la 700 Maiko. Alors on a cherché, on n'a pas trouvé, on a cru à un moment donné que c'était un proto, que ça n'existait pas. Et puis en fait, ça existe. Et alors là, moi, où j'ai été très surpris quand je l'ai vu, je m'attendais à avoir une vieille moto. Un peu vintage, ouais, Maiko. Complètement, limite frein à tambour. Ouais, sauf que celle-là, elle est de 2017. Voilà. Alors celle-là, vous l'avez demandé, de chez demandé, de chez demandé. Oh, c'est beau. 700, parce qu'en fait dans les 500 il n'y a pas assez de puissance, hein, qu'on soit clair. Donc voilà, 200 de plus. Je me demande vraiment ce que Pierrick va foutre avec ça. Donc aujourd'hui en 2021, si tu veux acheter une Maiko 9, tu peux quoi? Exactement, sur le site internet, hein, de Köstler, tu peux acheter une Maiko modèle 2029. Alors il faut savoir que c'est un Allemand qui a récupéré les restes de la société Maiko et qui aujourd'hui a les moules des bas moteurs, a le droit d'utiliser la marque et qui fabrique les cylindres. Et donc si tu veux, il fabrique les bras oscillants, les cadres, le moteur entièrement si tu veux. Il y a juste la boucle arrière qui est reprise à la 2,5YZ et l'avant qui est repris à une KTM, tu sais, avec la Y-Power, avec les freins Brembo. Mais en l'occurrence, tout le reste, c'est du Maiko, c'est du allemand. Alors on en voit peu. Ça coûte quand même un petit billet, hein, puisqu'on est autour des 15 000 euros, je pense, pour un modèle neuf. Historiquement, ça donne quoi, alors, l'histoire de cette marque? Alors, cette marque, si tu veux, c'est après-guerre, Maiko fabrique des moteurs. Donc, ils ont commencé à faire des moteurs, évidemment, de moto. Ils ont également fait des voitures. Donc, c'est assez fou. Ils ont fait aussi des motos de route. Ils ont commencé à mettre des moteurs sur des kartings, si tu veux, mais ils ont été surtout connus pour les motos de cross ou les motos d'enduro. Mon père a roulé sur une Maiko, tu sais, une 440 en 1979, la moto rouge avec le petit liseré jaune et tout. Donc moi, j'ai des photos de moi tout petit qui montent sur cette moto, donc c'est assez marrant. Et après, si tu veux, au milieu des années 80, la société fait faillite. Les motos n'étaient plus rouges, mais elles étaient devenues bleues. Donc on voit les dernières motos vers 86, 89 en version bleue et la marque s'arrête. Donc notre ami Köstler a repris un petit peu tout ça et il monte des motos à la carte. Il en a fait 50 depuis qu'il a attaqué en 99. Donc tu vois, 50 motos en 20 ans, donc il en fait à peu près, il en fait 2,5, hein, il en fait 2,5 par an. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est spécialiste évidemment des big bores, hein, des grosses cylindrées, parce qu'avec le même cylindre, si tu veux, il lance la 500, la 620 et la 685. La 685, c'est celle qu'on a essayée. C'est la 700. Exactement. Alors cette moto, comment tu l'as trouvée? Écoute, j'ai trouvé cette moto via les réseaux sociaux, parce que je suis depuis très longtemps MX Sport Bikes. Donc on en avait déjà parlé. Hein, voilà, Claude qui est sur Facebook, qui met toutes les réalisations. Donc c'est quelqu'un qui fait de la mécanique normale, mais il a un petit truc en plus, c'est que si tu veux, il est passionné de moto vintage et il refait honnêtement, toutes les 2 semaines, il y a une 500 CR qui sort de ses ateliers qui est somptueuse. Donc vous pouvez le retrouver sur Le Bon Coin,
mais vous pouvez aussi évidemment le retrouver sur Facebook où il met ses dernières réalisations. D'ailleurs, quand il a posté la Maiko qui tournait dans son garage, tu sais, il fait le tour avec le téléphone. Non, mais là, les compteurs de vues, c'était fou. Surtout que le bruit était fantastique. Moi, j'espérais vraiment retrouver ça parce que c'était dément. Donc, si tu veux, Claude, je l'appelle et il me dit, écoute, la moto, je l'ai depuis un an et demi. Je l'ai achetée en Suisse cher et j'ai jamais eu le temps de me mettre dessus. Il y a l'embrayage, il y a l'allumage, il y a le pot d'échappement. J'ai du boulot dessus, mais pour MX Test, tu sais quoi, je me mets au boulot et j'essaye de vous la finir. Donc Claude se met au travail, il fait tout. Il demande à mon oncle Paget Colors de faire un petit kit déco sobre, évidemment le numéro 700 hein, pour la cylindrée dessus. Et il nous l'a amené. Il nous l'a amené à Dole. Donc merci au motoclub qui nous a ouvert la piste. Alors la piste, on ne pouvait pas trouver. C'était Villars sous Eco ou Dole. Hein. Mais il nous fallait une piste ouverte. Avec de la place. Avec évidemment des grandes montées, des grandes descentes pour essayer évidemment de tirer un peu sur cette 700. Bon, pas de bol pour nous, une journée avec énormément de vent. Ouais, mais ça, à la limite, la 700, on ne l'a pas trop senti. Hein. Non, la 700, non, mais il y a une terre qui était très très sèche. Il y avait ça une t'a course. Empêché, toi, de rouler, ah, évidemment. Oui, moi, c'était hors de question que je roule sur cette piste. Mais tu l'as essayé dans le champ. Je l'ai essayé dans le champ, en jean et en doudoune. Esthétiquement, la moto, quand même, ça ressemble à rien qu'on connaît, quoi. Il y a toujours ce vieux cadre acier. En même temps, tu as des éléments qui semblent être modernes. Ouais, t'as ce cylindre énorme. Une selle Bud qui fait très moderne, ouais. Tu sais. Une roue arrière de 18 pouces, donc finalement, qui fait très années 90. Est-ce que tu as jeté un œil aux biellettes? Ah, c'est fou. On dirait des trucs faits exprès, tu sais. On revoit les années Rinaldi quand il essayait des nouvelles biellettes sur la 2000 biellettes. Biellettes bras oscillants, c'est d'une autre époque. Ah, mais c'est dingue. On sent que c'est limite fait pièce par pièce. Pédale de frein, pédale de levier de sélecteur, pareil. On dirait que c'est des pièces usinées, taillées masse. Le cylindre d'une taille gigantesque. On ne peut même pas se rendre compte sur les images. Il faudrait avoir un autre cylindre à côté, mais c'est gigantesque. Quand même. Les radiateurs usine. Donc, c'est tout, mais vraiment, tout est fou. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas une fourche de 52 mm dessus. Ouais. Petit protège-main. Embrayage hydraulique, mais alors, il est plus dur. Franchement, c'est dur, mais on dirait celui que j'avais sur la Harley, quoi. Embrayage hydraulique, super dur. Et puis, il y a un autre truc aussi, qui est très très dur, je sais pas pourquoi. Faut que je demande un pied avec la poignée de gaz. Genre, mais pour la tourner. Ouais, c'est vraiment un truc de bûcheron. Tout était plus gros. Mais finalement, quand on monte dessus, bah, elle n'est pas si grosse que ça. Elle est plutôt ressemblante à toutes les autres motos. Au moment où tu prends l'embrayage, par contre, là, tu sens qu'il y a un embrayage qui va avec la 700. Il y a un gros souci. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que j'ai vu... Embrayage hydraulique, pourtant. Voilà, j'ai vu... Tiens, embrayage hydraulique. Et puis là, j'ai essayé de l'actionner et j'ai limite pas réussi à l'actionner. Exactement. Donc, l'embrayage hydraulique est à peu près aussi dur qu'un câble sur une 500. Ouais, c'est ça. Donc vous imaginez que s'il y avait eu un câble, je pense que c'était impossible de l'actionner. Poignée de gaz, très très dur aussi. Ouais, mais tout est, si tu veux, tout est gros. Pour info, sur ce moteur, il y a un carburateur déjà, normalement, tu sais, c'est un carburateur de 38. Donc là, c'est un carburateur de 39 qui est réalisé à 41. Ah oui, ça fait... Donc ça... tu vois, on est la sur... consommation, elle doit être monstrueuse. Le piston, 100 mm. Donc vous mesurerez hein, le diamètre d'une 50 ou d'une 125, puis vous verrez la taille du truc, tu peux en mettre 3 dedans, tu sais. En fait, le moteur, c'est Jupiter, et puis si tu veux, une 2,5 CRF, en fait, c'est la Terre, tu sais. C'est dingue. Tout était plus gros, et donc on arrive au moment ultime, hein, après les photos, c'est de dire, bah, écoute Claude, à toi de jouer, démarre là. Hein, parce ouais. Que kick à gauche, la compression, je ne savais pas trop comment ça va marcher. C'est ce que tu mets dans les bulldozers. C'est ce que je mettais dans mon J5, moi. Voilà. C'est Star Pilot. C'est ce que tu dis pour que tout le monde le comprenne, Star Pilot. Mais là, c'est du nettoyant frein. Ah, c'est du nettoyant frein? Ah oui. Mais ça va où, là? C'est flammable. Ah, ça va direct dans le carbu. Direct. Ça s'évapore assez rapidement. Donc déjà,
déjà, franchement, ça fout la trouille. Quand tu vois le start pilote, quand tu vois qu'il est obligé de tenir le décompresseur pour kicker et que la moto a quand même de la compression malgré tout, enfin, moi, j'avais l'impression qu'on allait me faire essayer un Caterpillar. Hein. J'avais pas l'impression d'essayer une moto de cross. Donc, franchement, ça te remet les idées un peu en place, ça. Pierrick, elle arrive. Pierrick, elle est là. Elle. C'est comme ça, tu sais, c'est elle. J'ai la trouille, Raph. Waouh, waouh, waouh. Déjà, la prise d'embrayage, c'est incroyable. La moto, en fait, elle part toute seule. Vous imaginez bien, pour que j'essaye dans un champ en premier, que le truc est effroyable. Là, j'ai un respect, c'est même plus respect. Hein. Ah, autant vous dire qu'il y a du couple. Et si la poignée reste accélérée, je suis mort. Oh mon dieu, ça rase! Oh putain! Oh, je suis désolé pour les gros mots. Non mais là, c'est... Et c'est con, hein, parce que l'ensemble est plutôt étroit, plutôt sympa, ça ressemble à une autre moto. Alors Pierrick, délivre tous nos abonnés. Tout le monde attend un truc, ce moteur. Bah déjà, tu montes sur le guidon et là, tu sais qu'il y a un gros moteur. Ah, les vibrations, c'est... Ah non, mais c'est pas les vibrations. Et je me suis dit, tu sais, je suis peut-être un peu sensible des mains, je roule pas assez en ce moment. Et donc, je pars avec la moto, et là, je me mets debout sur les pieds, et là, je crois que c'était pire. J'ai eu des vibrations dans les chevilles, dans les genoux, ça m'a limite, tu vois, provoqué un orgasme. Moi, je vais être très grossier, ça m'a donné envie de chier, moi. Je te jure, j'ai cru... Ah là, niveau grossièreté, on était dans du plus-plus, là. Spécial dédicace, Lucien. Non, mais je te jure, ça m'a fait une espèce de descente d'organes, de, je sais pas, c'était un truc de malade, quoi. Mais c'est un peu ça. Et donc, je pars sur la piste, et ben là, non, je fais demi-tour, je me dis, attends, avant d'entrer sur la piste, je vais aller, et c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Je vais aller essayer dans le champ, quand même. Et au moment où je m'égase, en fait, je comprends un truc tout de suite. Un truc qui sera impossible à se battre. En fait, j'ai un frein psychologique parce que si tu veux, tout est tellement dur, tout est tellement fort, tout est tellement puissant qu'à chaque fois que je m'égase, eh ben, mon cerveau me dit « Et si ça ne s'arrêtait jamais ?» C'est bizarre de se dire ça, quoi. Mais oui. Mais tu sais, autant une moto, tu te dis oh, « Je prends l'embrayage, je mets un coup de frein arrière et c'est bon. » Ouais. Autant là, au moment où je m'égase, je me dis « Mais si la moto s'emballait ?» Et c'est quand même une moto un peu faite main. Et tu sais, il y a quand même un petit côté. Mais tu sais, quand on est passé en 4 temps, on avait tous un petit peu peur de que ça casse à la pelle ou un truc comme ça. Hein. Ouais. Et, ou quand tu fais la course du Touquet, pour ceux qui connaissent, moi je l'ai fait 4 fois, quand tu es dans la grande ligne droite, tu as le doigt sur l'embrayage en disant si ça sert, je peux embrayer vite fait. Et bien là, je suis parti, si tu veux, dans la prairie, et enfin, je ne vais pas faire boap, c'est boap. Et tu te dis, si jamais je coupe et que ça ne s'arrête pas le truc, je suis quand même mal. Donc j'ai fait quelques allers-retours pour voir si les freins marchaient, si le moteur coupait, répondait à mon poignet droit. Et après, je rentre sur la piste. On vous le rappelle, mxtest.fr, c'est notre quartier général. Rentrez votre adresse email et vous aurez accès chaque semaine à des astuces pilotage et mécanique. Vous retrouverez nos produits, streetwear, motocross, toutes les pièces moto qu'on a choisies pour les motos de Raph et moi. Et évidemment, vous retrouverez les inscriptions des Dirty Days. Et n'oubliez pas le code promo MXTEST, il marche également sur notre propre site. Allez, on attaque le circuit. Ah, effectivement, c'est pas mal. Hein. Oh là là, par contre, ça emmène. Oh, oh, oh.
Ah, et comme quoi, hein, l'inertie du moteur, c'est ça qui joue beaucoup sur le... Vous savez, sur le poids au freinage. On parle toujours du poids de la moto, mais en fait, on sent pas le poids de la moto. C'est le moteur qui vous emmène. Une 125, vous l'arrêtez en 2 secondes. Eh ben, les suspensions, c'est pas mal. Oh, la moto, elle se relève dans les freinages. Mais vous l'entendez, hein, le moteur est doux. Hein. Ah non, mais là, on arrive trop vite dans les... Alors, j'ai déjà mal au bras. Hein. Alors, c'est pas vraiment mal au bras que j'ai. Vous savez, j'ai le poignet droit qui est crispé. Un peu comme en VTT quand on descend pour la première fois des énormes descentes. Là, il n'arrive pas à se décontracter le poignet droit. J'ai l'index sur le frein. Et je suis tendu comme un string. Oh putain. Et sans déconner, je sais même pas si je vais oser sauter. Tellement le moteur, il est pas raccord avec la machine. Ah non, mais Raph, faut qu'il essaye ça. Oh mon Dieu, que c'est dur. Je sais même plus en quelle vitesse je suis. J'ai tellement mis de vitesse pour que la moto soit douce que je sais même plus en quelle vitesse je suis. Je peux vous dire que la jambe braye. Hein. Parce que si je cale, j'arrive pas à la redémarrer. On n'arrive pas à la coucher dans les virages. Le moteur, c'est comme si le volant moteur la relevait en fait. Non mais c'est dingue. Ah, je veux pas dire que j'étais plus à l'aise avec la GS la semaine dernière, hein, mais franchement, c'est quand même très spécial. Oh là 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 là, j'y arrive pas. Ah, par contre, dès que c'est meuble, là, c'est sympa. Oh, j'ai fait un truc là qui allait pas. Ah, c'était démoniaque. Essaye, il faut que tu l'essayes. Raphaël, il faut que tu l'essayes. Essaye, il commence. Alors, il commence à être désagréable. Je pense que je serais plus à l'aise de sauter avec la GS qu'avec ça. Je suis terrorisé. Elle fout les jetons ? Elle fout les jetons. Non, sans déconner, elle fout les jetons. Parce qu'au moment où tu mets gaz, si tu veux, quand tu coupes, tu te dis si elle décide de rester, tu sais, une sorte de putain de gremlins dans le moteur qui laisse le truc en marche, t'es mort. Et là, bah, j'ai pas été déçu, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de sauter les tables. Ah mais écoute, c'est simple, je t'ai pas reconnu. Ouais, bah oui. À l'arrêt, mais à l'arrêt scotché le pépé. Pour plein de raisons. Je vais pas chercher des excuses, hein. J'en ai pas besoin. Façon, tu n'as plus rien à prouver. Non, alors pas du tout. On a tous vu l'euro de la 500 YZ, je vous le remets. Voilà, je vous le remets, la grande courbe pour le plaisir, regardez. Non, c'est pas ça, mais c'est en fait, j'ai pas d'excuses parce que si tu veux, sur les autres motos, j'ai pas eu de problème. Donc là, j'ai pas changé en 2 jours. Non. Donc du coup, au moment où je monte sur cette 700 et que je pars, en fait, il y a 3 freins. Le premier frein, c'est la machine, on va en parler. Le deuxième frein, il est psychologique. Comme je l'ai dit, c'est que j'ai peur à chaque fois qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle m'emmène, tu vois. Et puis le troisième frein, c'est que le terrain n'est pas adapté. Ben non, en fait, quand il y a trop de puissance, il faut un circuit qui bouffe la puissance. Ouais, donc une terre plutôt meuble, plutôt molle. Donc là, si tu veux, quand je mettais 12 chevaux, donc tu vois, là, c'est vraiment le petit filet, hein. Quand je mettais 12 chevaux à la poignée, j'avais 12 chevaux à la roue arrière. Tu vois, il n'y avait pas de patinage, il n'y avait rien. Donc si tu veux, c'était effroyable. Quand j'ai mis gaz avec cette moto dans la côte, de dol, j'ai eu des 700 cm3 qui m'ont poussé les fesses. Hein.
Et ça, c'était effroyable. Honnêtement, j'ai pas fait le malin. Très bel exemple aussi, dans la descente. Tu vas me dire, Pierrick, la côte, c'est une chose, mais t'as qu'à pas mettre gaz. Eh oui, mais le problème, c'est que même quand on met pas gaz, même quand on coupe, il se passe quelque chose avec une 700. Inertie de malade. Tu l'as vu dans la descente. Je saute le saut, je mets deux coups de piston, et là, au lieu de prendre à droite, la moto, elle va tout droit. J'ai jamais pu virer. Et j'ai cru que j'allais traverser le talus. Heureusement, il y a des freins excellents, parce que finalement, c'est con ce que je vais te dire, mais cette moto, elle est parfaite. Est-ce qu'il y a un problème de frein avant? Tu l'as essayé, la moto? Ouais. Non. Est-ce qu'il y a un problème de frein arrière? Non. Est-ce que l'embrayage ne marche pas? Non. Est-ce que les suspensions n'allaient pas? Non, tout était bon. Le problème, c'est que le moteur est tellement effroyable, il pousse tellement au freinage et tellement à l'accélération, que si tu veux, ça met en panne tout le reste. Donc, la moto, elle se relevait au moment où je devais coucher. Au moment où je mettais gaz, la moto patinait sur place, alors que j'aurais dû, logiquement, tu vois, piloter un peu coulé. J'arrivais même pas à être coulé, hein. Non, mais à un moment donné, tu t'es mis court sur un saut. Ah ben, j'ai rebondi 8 fois. T'as même pas réussi à virer, t'es sorti de la piste, alors que t'allais pas très vite. Non, et... exifé. Et on n'avait pas le Sénat. Là, si tu m'avais vu, si je me suis liquéfié. Ah, j'ai fait 8 litres d'huile. Et pourtant, on vient de faire l'épisode de la GS. Ouais. Où, si tu veux, c'était plutôt naturel de sauter les tables. T'as été plus à l'aise avec le scooter, t'as été plus à l'aise avec la GS, t'as été plus à l'aise avec n'importe quelle moto. Celle-là, je t'ai jamais vu comme ça. On aurait dit moi dans un très mauvais jour. Ouais, c'est vrai. Et donc, alors évidemment, on peut lui donner une deuxième chance sur du sable, mais s'il y a du sable, il y a des trous et des ornières. L'inertie va être pareille, tu vas jamais pouvoir virer. Mais est-ce qu'elle a eu une vie en compétition, cette moto? Non, évidemment, parce que déjà, on est limité en 500 cm3, on ne peut pas trop monter beaucoup plus haut. Au tout cas, tu ne pourrais pas l'utiliser. Mais... Et alors, bizarrement, pour ceux qui se posent la question, mais alors en ligne droite, ça doit être fou. Ben pas tant que ça, parce qu'en fait, quand tu mets gaz, donc tu sais, ça pousse fort, il y a du couple, mais si tu veux, tu patines, donc tu n'arrives pas à prendre non plus 200 km/h. Mais si tu veux, une fois que tu es monté, comme c'est un gros moteur, il n'y a plus de chevaux en haut. Ah oui. Donc si tu veux, tu as vu, je ne montais pas plus vite qu'une 125YZ. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a... Je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai essayé. C'est de voir que la puissance était très, 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 très basse dans la courbe, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment hyper puissant de rien à mi-régime, où c'est encore plus rempli qu'une 500, c'est encore plus... Voilà, il y a un couple, c'est monstrueux. Mais passé les mi-régimes, la poussée, elle s'arrête. Ça continue de prendre des tours, mais il ne se passe plus grand-chose. Alors, tu sais que c'est un peu partout pareil. Quand tu roules avec une 125 et une 2,5, quand tu roules avec une 125 et une 2,5, tu vas prendre 5 mètres, tu sais, en sortie de virage, ouais. Mais après, ça ne bouge plus. Hein. Ouais. Une fois que la 125 est lancée, la 2,5, elle ne continue pas de prendre des kilomètres à tour de bras. C'est souvent la sortie, la sortie d'ornière, tu sais. Les motos de cross, on dit toujours une moto de cross, elle va à combien ta moto de cross? Mais la moto de cross, c'est une moto qui va très vite de 0 à 50 mètres. Mais une fois qu'on a passé les 50 mètres, si tu veux, c'est pas effroyable, c'est pas une R1 justement. Qui elle sera plutôt mauvaise de 0,50 et qui sera meilleure après. Oui, mais tu vois, j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus marqué que sur une 500. Une 500, quand tu arrives à mi-régime, tu as une espèce sans doute de perte ou de. Je sais pas comment l'expliquer, mais. D'arrêt de progression en tout cas. Mais là, c'est carrément. J'avais. La 490YZ. Voilà, pour moi, c'est le même tempérament moteur que ça. Et hyper court sur... Jusqu'à mi-régime, ouais. Incroyable, une force, mais t'as jamais vu ça. Et après, par contre, bon, ça marche quand même. Mais j'étais un petit peu déçu sur les hauts régimes. Ben moi, où j'étais déçu, c'est que cette force, comme tu m'as dit, incommensurable, ben, elle ne servait à rien. Parce qu'en fait, la force, on l'avait sur la 2,5. Nous, on l'a améliorée avec l'épisode de la 300SX. On est en train de monter un 2 temps capable de rivaliser avec les 4 temps. Donc, on est passé de 2,5 à 300 parce qu'on en avait besoin. Mais est-ce que tu sens qu'on a besoin de plus que 300? Non. Voilà. Et on a déjà essayé des 500. On vous remet les épisodes de 500. Est-ce qu'il y en avait trop? Oui, déjà. Donc là, si tu veux 700, c'est comme si on nous avait remis encore d'un truc
dont on n'avait pas besoin. Ah ouais, non, c'est... En fait, c'est intéressant d'essayer cette moto parce que c'est une sorte de une sorte de prototype, une sorte de folie. De délire, de folie, exactement. De voilà, pouvoir Ça a le même quoi. Intérêt que la tour Al Jazeera, non, elle s'appelle, de Dubaï. Ah, le truc le plus haut du monde, là. Exactement. Oui. Ça a le même intérêt. Aucun, mais essentiel. Voilà, il faut le voir. C'est l'Empire State Building, c'est la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle a été faite pour rien. Il faut le savoir. La tour Eiffel, ça a été une démonstration de l'art français pour l'expo mondiale dans les années fin du 19e siècle. Donc, si tu veux, elle a servi à rien, mais aujourd'hui, elle est essentielle. Bah, c'était 700, c'est pareil. Ouais. Tu ne pouvais pas rouler vite, ni dans le sable, ni dans la terre, mais elle est essentielle. Oui, parce qu'elle a fait rêver tout le monde. Oui, non, mais ça fait rêver. Quand tu montes dessus, ça fait quand même nettement moins rêver, quoi. Alors, maintenant, il faut que je parle du pilotage avec. Parce qu'on a parlé de la puissance, on a parlé de la peur qu'on avait. Maintenant, le pilotage. Alors, il y a une chose qui est folle, et c'est la première fois que... Cette fois-ci, j'en suis sûr. Le moteur a un effet sur la maniabilité d'une moto. Donc, souvent, on peut s'imaginer... Alors, c'est évidemment une règle que tout le monde savait, mais tant que tu n'as pas essayé ça, tu ne t'en rends pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment monter là-dessus pour te dire « Ah oui, c'est ça qu'il se passe au moment où tu roules. » Parce que finalement, cette moto, est-ce qu'elle était lourde? Pas vraiment. Au pire, c'est la 10 kg de plus qu'une autre moto. Mais tu vois, je pèse 75, une moto, c'est 110. On est un ensemble de 185, donc 185 ou 190, ça ne change rien du tout. N'oublions pas qu'on a essayé une GS et une 85. Donc si tu veux, on sait, ou une Biggie. Donc du coup, le poids, honnêtement, c'est important, mais ça ne se sent quasiment pas une fois qu'on prend une ornière, hein, qu'elle fasse 110 ou 90 kg, la moto, c'est pareil. Sauf que ce moteur, quand il tourne, eh ben, si tu veux, j'ai jamais pu prendre une ornière. Mais jamais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me dis, mais attends, ça va être l'ornière, ça vient de moi, ça vient du vent. Ça... Mais il y a un moment, quand même la petite ornière, tu n'arrives pas à mettre de l'angle. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand je coupais le moteur, ben, j'arrivais à mettre de l'angle. Et dès que je mettais un petit filet, le fait que le moteur tourne, si tu veux, ça me relevait la moto. Donc, comme s'il y avait une sorte d'effet gyroscopique avec le piston et le vilebrequin, qui faisait que ça me relevait la moto. Donc évidemment, on compte sur vous, hein. Il y a des pros en mécanique qui peuvent nous l'expliquer. J'imagine qu'il y a eu la même chose en vitesse, parce que si les 500 NSR de l'époque, c'était 4 cylindres de 125, il y avait un gain de puissance, il y avait des tours minutes, mais est-ce qu'il y a eu des motos justement avec des très grosses cylindrées qui ont eu ce problème en vitesse pour coucher? Parce que honnêtement, le problème que j'ai eu, moi, c'est que je ne pouvais pas inscrire la moto nulle part. Dès que le moteur se met en mouvement, le moteur avance, donc pousse au freinage, tu ne peux pas l'arrêter. Et le problème, c'est que j'arrivais même pas à virer. Je n'arrivais pas à virer. Par contre, ce bruit, je t'ai fait venir dans une ornière exprès, j'avais l'impression d'être sur un sidecar. Ah, c'est le bruit d'un sidecar. Ouais, c'est le bruit d'un sidecar. C'est encore plus rond que le bruit d'une 500 qui, pourtant, a quand même le truc le plus rempli. Le plus ultime. Voilà. Mais c'est encore plus. Ouais, exactement. Et le volume sonore, hein, le volume sonore, on ne s'en rend pas compte à la vidéo, mais le volume sonore est assez incroyable. Ouais, le bruit est beau, le problème c'est que tu as droit, alors faut être bon, ouais, puis tu peux parce que moi je suis rentré dans l'ornière difficilement, je me suis limite arrêté dedans, il a fallu que je la fasse pivoter, et ensuite j'ai mis gaz, donc j'ai pas mis gaz très longtemps parce que l'autre ornière arrive vite, donc si tu veux j'ai quand même un certain niveau, toi t'aurais pas pu faire ça. Donc en fait il faut être bon, et tu as droit à une demi-seconde, une seconde de pure jouissance, absolument pas efficace, mais t'as le droit à ce truc là. À quel point cette moto est folle, c'est que celui qui l'a montée, il a un client. Ah oui. Et il ne sait pas s'il va lui vendre. Parce qu'elle est unique, parce qu'elle est belle, parce que... Oui, c'est un objet qui de fantasme. C'est un objet... Mais bien sûr, bah, t'imagines bien qu'aujourd'hui, une RC30, je ne vais pas dire que c'est de la merde, hein, comparé à une
comparé aux dernières motos qui se fait sur, en 1000 cm3. Mais si, mais une RC30, ça n'a pas de prix. Une NR750 avec les pistons ovales, j'imagine qu'elle se fait battre même, peut-être même par une R7 sur un circuit. Mais c'est comme ça, c'est des motos, tu ne peux pas t'en, ouais, tu peux pas t'en défaire. Mais par le prix, par le... Mais tout le monde en parle et personne ne l'a jamais vu. Non, personne n'a jamais essayé. Personne n'a jamais essayé, personne ne l'a jamais entendu. Personne, voilà, c'est une sorte de licorne. C'est ça, exactement. Alors moi, j'ai réussi à monter sur une licorne. Voilà. Oh, t'imagines, j'ai roulé sur... Putain, t'es un peu con, la licorne. Hein. Non, elle avait mauvais caractère, la licorne. Ouais, très mauvais caractère. Elle avait mauvais caractère. Donc, si vous voulez acheter, évidemment, une 700 Maiko, oui, c'est une très bonne idée. C'est possible de l'acheter en Allemagne. Ça vous coûte 15 000 euros. Elle sera faite quasiment pour vous. Pagé Colors a les formes. Donc, vous pouvez acheter le kit déco. Parce qu'il a pris les formes pour un modèle. Hein. Ouais. À mon avis, il ne fera plus jamais de kit déco pour celle-là. Donc, c'est une très bonne idée de mettre 15 000 euros dans cet objet unique. Ouais. Par contre, sachez que vous ne serez pas efficace sur une course. N'espérez pas aller sur une course et torcher vos potes à la fois sur le départ. J'arrivais même pas à mettre gaz au départ. Non, mais c'est... J'ai été pathétique. Franchement, c'était... Je pense que dans les commentaires, les gens vont dire que tu te traînes bien. Alors, c'était marrant parce que Claude, justement, j'étais déçu de ne pas avoir pu rouler, tu sais. Mais vraiment, bah oui, comme d'hab. Ouais, mettre la moto en travers et tout. Mais d'un autre côté, t'as vu le sourire qu'il a eu toute la journée. Il était content de l'avoir tourné. Il m'a même dit ah, ça lui fait du bien au moteur, on voit qu'il marche mieux que d'habitude de tourner et tout. Ouais, et puis le lendemain, il m'a rappelé, il a passé une super journée. Donc, c'est vraiment une moto où tu prends plaisir à la remonter, à la posséder, à rouler avec, la voir rouler, parce que c'est un objet. C'est une œuvre d'art, hein. C'est pas une moto de cross, c'est une œuvre d'art. C'est ça, t'as tout dit, c'est un objet à posséder, ouais, à démarrer de temps en temps, à montrer aux copains, ouais, non, c'est vraiment, vraiment, je regrette pas du tout d'avoir fait cet essai. Non, et puis c'est important d'avoir des machines un peu folles. D'ailleurs, le sponsor de la vidéo, il est en train de nous préparer un truc, mais de malade. Bon, alors, qui, ouais, je pense, évidemment, que ça va être compliqué. Je pense que tu n'auras pas autant de facilité qu'avec une 2,5 CRF. Mais franchement, M46 Spart est en train de préparer un proto de fou. Et il nous attend, hein, pour l'essayer. Donc merci à lui pour la vidéo, hein, pour le coup de main, pour le sponsoring. Et puis, ça va faire une belle transition. Je crois qu'il y a plus de chevaux que la 700. Dans ce qu'il prépare, ouais. Bah, écoute, est-ce possible? Est-ce possible, j'ai envie de te dire, est-ce possible? Il y a plus de cylindres, en tout cas. Il y a plus de cylindres. En tout cas, si vous avez des idées de motos atypiques, des choses très très rares, vos serviteurs sont là. Donc n'hésitez pas. Et puis Pierrick, ben... Oui, dans vos granges, si vous avez une moto de dingue et tout. Alors je sais où il y a une Cannondale, il nous faudrait une ATK, il nous faudrait une Vertemati. On a encore plein de motos à essayer, franchement. Une Vore, tout. Cédric Souberas s'impatiente. Oui, il est très très fan. La Vore. La Alta, il faut qu'on fasse aussi. Merci une fois de plus à Claude d'avoir fait des kilomètres, ouais, pour nous faire essayer cette moto de fou. Il nous a fait un très beau cadeau. J'espère que vous avez apprécié son cadeau à lui. Parce que refaire une moto pour la vendre et finalement la faire essayer à MX Test en craignant évidemment qu'on tombe avec ou qu'on la casse, c'était vraiment sympa de sa part. Et puis avant de se quitter, abonnez-vous. Ouais. Les donuts sur la boutique, un centime. Ouais, un centime. On donne presque le donut. Pour ceux qui ont des vibrations, ceux qui vont acheter une 700, vous pouvez mettre directement des donuts MX Test. De paires même, vous pouvez mettre de chaque. Voilà, côté. Donc si vous achetez quelque chose sur la boutique, bah, cliquez, hein, il est quasiment gratuit. Et puis si vous voulez absolument des donuts, ça va vous servir. Profitez du port pour acheter d'autres choses, il y a plein de trucs sympas. Et on le rappelle, les codes promo qui marchent chez tous nos partenaires. Bud Racing, voilà. 10%, 3S, 10%, Assure ton sport, 10%, 10%. Destock 41, 5%, MX Lite, 10%. Franchement, vous tapez le code promo MX Test partout. Partout où vous allez. Chez Dorsel. Chez Dorsel, chez Zalando, chez Zara, H&M, tout. H&M, Ikea, Casto, voilà. Merci de m'avoir fait confiance sur cette 700. Mais c'est toi qui t'es fait confiance à toi. Ouais. Du coup, je pense que la prochaine, tu vas me demander une petite, non? Moi, j'aimerais bien qu'on refasse, je te l'ai dit, hein, qu'on refasse une 125, ou qu'on prépare une 125, ou qu'on refasse une 150, ou qu'on prépare une 150. J'ai envie de petites cylindres. Qui craquent dans les tours. Ouais. Comme la 50. Comme la 50. Exactement. Bon, bah merci.